Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour la séance d'aujourd'hui, le 22 juillet. Donc j'ai pas pu produire mon commentaire hier pour des raisons festives, on va dire. Donc la séance d'aujourd'hui est un petit peu plus compliquée à analyser parce que on bénéficie d'un début de séance sur le graphique, mais il ne faut pas se laisser tromper par ça et essayer d'analyser la séance comme si on n'avait que la bougie d'hier. En termes bougistes, on a dessiné hier un rami, c'est-à-dire que la séance était comprise dans les marges de fluctuation de la séance d'avant-hier. Comme elle se situe en fin de période de croissance, ça a une implication plutôt baissière. Ce qui me permet d'ailleurs de tracer une résistance horizontale à 955 à présent. Donc c'est un premier effet négatif. Cela dit, graphiquement, on est toujours bien orienté puisque la fourchette d'endosse grise est ascendante et la médiane à rallier est clairement au-dessus des cours. Elle devrait donc jouer comme un aimant. De la même manière, nous sommes à l'intérieur d'un canal haussier bleu hypothétique qui montre que la tendance n'est pas baissière. Cependant, quelques bémols. Tout d'abord, la médiane est très éloignée des cours, au-delà des 1000 à présent, et je doute fort que l'on puisse la rallier. Or, si on n'arrive pas à rallier la médiane et qu'on sort de la fourchette sans l'avoir percutée, cette médiane, c'est un signal très négatif. Donc, c'est une alerte que j'aimerais que conserver sur mes tablettes. À cela s'ajoute que nous sommes assez éloignés maintenant de la M20 et nous n'avons toujours pas eu de pullback sur celle-ci. Ça risque de jouer négativement. Au niveau des indicateurs techniques, le MACD et le stock sont au-dessus de leur signal si on arrête les compteurs hier soir, ce qui est toujours plutôt favorable, mais on voit que la pente du stock commence à devenir décroissante et menace d'un croisement aujourd'hui. Parallèlement, si le super trend a lâché, hein, c'est la courbe qui enveloppe les cours et qui passe du bleu au rose. Donc ce super trend est passé du rose au bleu, ce qui veut dire que bon, il est devenu croissant. Il n'empêche que pour moi aujourd'hui, ce devrait être une séance assez difficile à gérer, avec des signaux à la fois baissiers et haussiers. Donc pour moi, il n'y a rien à privilégier aujourd'hui. Je vais donc personnellement trader autre chose parce que je ne suis pas capable de définir clairement une tendance haussière ou baissière sur le daily. Enfin, cela dit, à l'instinct, je dirais qu'on devrait aller toucher la M7 aujourd'hui, qui est vers 942 et que ça, c'est un minimum. Mais enfin, bon. On va faire comme si j'avais rien dit. Très bien, au revoir, bon trade, bonne journée à tout le monde.